Salut tout le monde, c'est MLDEG, on se retrouve pour l'épisode 17 de Minecraft. Et donc comme vous avez pu le voir, juste avant que je fasse ma petite présentation de salut, bonjour, ça va. Quelques accélérés du minage optimisé que j'ai fait, et malheureusement je n'ai toujours pas trouvé de diamant. J'ai trouvé pas mal de grottes. J'ai retrouvé à la fin, comme vous avez pu le voir, une autre entrée pour accéder à la mine des PNJ. Et apparemment, cette partie-là on l'a pas explorée. Je l'explorerai une autre fois parce que c'est quand même assez long. Là, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Donc déjà là, la bouffe est cuite. Ici, oh, 42 déjà. J'ai récolté quand même pas mal de fer. J'en avais retrouvé. D'ailleurs, j'avais trouvé un donjon avec des araignées, hein. Donc ça me fait quand même déjà maintenant 3 sacs de fer. Ce qui est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui cuisent? Ouais, de l'or. Bon, c'est pas fini, hein, n'est-ce pas? On va remettre un peu de musique. J'aimerais bien trouver d'autres CD d'ailleurs. Mais enfin bon. Ah, c'est la nuit. Bon, bah je vais dormir. J'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. Que je vous montre la petite ferme que j'ai faite. J'espère qu'elle va vous plaire. Allez, dégage. Voilà. Toi, tu vas mourir. Ouais, merci. Alors, la ferme que j'ai faite. J'ai mis 2 h 30 à la faire quand même, hein. Pour récupérer le bois je l'ai récupéré là-bas, vous voyez, il n'y a plus d'arbres, j'ai tout rasé. Bon, il en reste quelques-uns, mais ils sont vraiment au fond. Et voilà, j'ai... Oh, dit un slime, pardon. J'ai construit ça, j'ai aplati le sol. Comme vous pouvez le voir ici, il y a l'entrée de la grotte. J'ai rajouté quelques torches intérieures. Oui, j'arrive, mon gros, j'arrive. Je vais te dépouiller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, allez. Voilà, c'est bien. Il y a d'autres? Ah, ils sont tombés là, les autres. Taisez-vous. Merci. Bon, bah, j'ai récupéré d'autres boules de slime. Alors voilà, ça s'étend sur tout ce long-là. Sur ce bordel, il y en a un autre. Enfin bref. Vous voyez, c'est quand même assez grand. J'ai mis le même système d'ouverture de porte que chez moi. Et voilà l'intérieur. Donc on a... Ici pour les poules. Bon, j'ai pas encore tout fait correctement. J'ai mis des coffres là. Donc dans ce coffre-ci, je mettrai plein de graines et les œufs que je récolterai. Certains. Ici, je mettrai les carottes pour les cochons. Et là-bas, donc là, on a les vaches et les moutons. Et ici, bah, je mettrai le blé parce que ça marche avec ces deux races là. Les vaches et les moutons. Bon, j'ai pas encore fait. Je les ai pas encore fait surproduire, hein. J'ai juste déplacé. J'ai recréé les barrières. Ça a été chiant d'ailleurs avec les cochons qui sont têtus. Mais bon, ça a été. Je me suis fait quand même bien plaisir, hein. Donc c'est pour ça, rester 3 heures à vous montrer ça, voilà quoi, ça c'est pas terrible. Donc comme je disais, j'ai raplati le terrain parce qu'avant il était pas comme ça. Et j'ai bien rebouché la grotte, hein, ce qui fait que maintenant il n'y a plus que ça. J'ai laissé 2 barrières ici pour savoir qui est l'entrée de ma grotte. Donc voilà, c'est très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, vu que j'ai pas trouvé de diamant et tant pis pour ma gueule, je vais aller chercher un endroit où je vais pouvoir installer le portail du Nether et y jeter un oeil. Pas le parcourir, y jeter un oeil. Je vais récupérer le reste de fer et le reste d'or. Voilà. Parce qu'honnêtement, bon, j'ai une armure, mais ça suffira pas, hein. Je vais arranger un peu le bazar. Ah oui, j'ai quand même récupéré pas mal de rails. Ici. Ah tiens, les graines de citrouille. Puis il y a les fèves de cacao qu'il va falloir que je plante. Écoutez, on va faire ça après. Je vais d'abord créer mon portail. Donc pour le portail, il va falloir que j'ai un briquet. D'ailleurs, je vais créer un autre truc. Je crois que c'est à partir de ça, hein, il me semble. Alors, le briquet, il me semble que c'est le silex en bas et ça ici. Voilà, très bien. Et ensuite, je vais créer, voilà, une cisaille. La cisaille, ce sera pour récupérer la laine des moutons. On peut récupérer aussi les feuilles des arbres pour en faire des espèces d'arbustes. Quelque chose de sympa. Ok, alors où est-ce qu'on va mettre le portail? On va mettre un endroit pas très loin de chez soi, mais pas trop près non plus. Ah, je pourrais le mettre en bas, à la limite. Ah, mais ça me fait chier de descendre tout en bas quand même. Bon, je vais rentrer dans ma crevasse qui est là-bas derrière. Et je pense que je vais la mettre en bas de ma crevasse. Ce sera pas mal.
pourrais le mettre dans mon sous-sol aussi, mais trop risqué. Parce que tout ce qui rentre dans le portail peut en ressortir. Aïe. Ouh. Donc vous voyez, j'ai mis des torches un peu partout. Bon, je vais le mettre là-haut. On va y trouver une place sympa. Oh, par là. Ça ira bien. Hop. Je pense que ça le fera. Hop, on va récupérer la pierre. On va reboucher quand même. Bon, faut qu'on libère un peu la place, hein, parce que là... Oh putain! Il y a encore de la lave ici? Je ne savais pas. Bon, bref. Le portail. Alors, le portail. J'avais dit que je ferais un portail optimisé. C'est-à-dire en utilisant que 10 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dix, voilà, mon portail est fait. Le portail est là. Je vais reboucher. D'ailleurs, ce serait sympa que je referme correctement. Comme ça, de loin, ça donne quoi? Je regarde de loin quand même. Oh, ça ira bien. Pour le moment, ça ira. On fera ça plus joliment, plus proprement une autre fois. En attendant, clac! Voilà, j'ai activé le portail. Allez, maintenant, c'est parti. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Mais attention, je vais pas y rester très longtemps. Hein. Ok, alors on est placé où? On est placé là. Oh putain, ça commence. Oh bordel. Oh là 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 là. Il a niqué le portail. Enfoiré. Il a niqué le portail. Il l'a désactivé ou il l'a cassé? C'est bon. Je rentre dedans. Par contre, putain, il y a le vide derrière là. Ça, c'est tendu. Hein. C'est tendu. Ok. Je me retrouve là. Une fois dans une de mes parties, le portail de l'extérieur n'était pas cassé. Mais à l'extérieur, il était cassé. Donc quand j'ai voulu recréer, il m'a amené à un autre endroit. C'était quand même assez bizarre. Ah, ça m'embête, j'aurais voulu voir un petit peu plus de choses là, mais... pour l'instant, ça me fait flipper. Je suis pas équipé pour. On verra plus tard. Mais bon, quoi qu'il en soit, le portail du Nether, je vais le laisser ici. Et on ira récupérer vraiment ce qu'on a besoin bah, une autre fois. Hein. Là, je vois, j'ai des fèves de cacao... J'ai des graines de citrouille, on va les planter. Ce sera déjà bien. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit tour au village de PNJ. Je vais voir s'il y en a qui peuvent me donner des melons. Ce serait bien que j'en plante aussi. Ce serait bien aussi que je développe un petit peu le village de PNJ. Hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais en profiter pour récupérer leur bouffe. Et je replante pas, j'en ai rien à faire. Oui, monsieur, t'es pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à me proposer? Un livre écrit contre une émeraude? J'ai ça chez moi. Mais j'ai pas besoin d'émeraude pour ça, quoi. Sauf si un de tes collègues qui veut une émeraude contre les graines, comme je te dis. Alors lui, tiens, bah tiens, donne-moi des émeraudes. Allez, une. Je pense que c'est tout. C'est tout. T'es content? Ouais, t'es content, c'est bien. Attends, je vais peut-être avoir d'autres blés, mon monsieur, là. Peut-être t'en donner d'autres, hein. On va regarder ça. Ok. Là, il y en a. Du blé, moi, je peux en avoir à l'infini. Donc, on va tout prendre, ce qu'il y a là. Et je vais t'échanger tout ça contre tes émeraudes. Comme ça, je vais pouvoir faire du troc. Avec tes autres collègues. Et d'ailleurs, le fait de développer le village de PNJ va me permettre d'avoir d'autres PNJ. Donc. Et d'avoir d'autres possibilités de troc.
ça peut être intéressant. Bon, là, il n'y a plus rien. C'est bon, il n'y a rien qui est tombé par terre. Non, c'est bon. Alors, monsieur. Ah, il y en a encore là-bas. Putain, en fin de compte, il y a plein de... y a plein d'agriculture chez eux, là. J'ai pas fait gaffe tout ce qu'il y avait chez eux. Enfin, bon. Hop. Hop, voilà. Ok. Bon, on va retrouver ce bon monsieur. Je crois qu'il est là-bas. Hop, hop, hop. Reviens par là, toi. C'est toi? Ouais, c'est toi. Oh, parfait. Alors, 1, 2, 3. Ok. 4, 5, 6. Parfait. Oh, j'ai 7 émeraudes. C'est mortel. Ça va, t'es content? Non, tu t'en fous. Ok, donc maintenant je peux plus. Et maintenant il me propose quoi? Une cisaille contre 3? Non, mais une cisaille, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Hein. Donc tu vas pas essayer de m'arnaquer, toi. Ici, il n'y a plus personne. Là-dedans, il y a quelqu'un? Non, il y a un champignon qui pousse. Ça veut dire que c'est dégueulasse ici. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans ce village. Hein. J'ai intérêt à le raser et à tout recommencer parce que là ça a pu. Hein. Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Il y a une porte, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Ok, il n'y a personne. Là-dedans, il y a quelqu'un. Il n'y a personne non plus. Et dans cette maison là-bas. Tu déconnes! Il n'y a que deux PNJ dans ce village pourri. Ça va pas. Hein. Je récupère ça, hein, parce que bon, vous en aviez pas besoin. Putain, il n'y a que deux PNJ. Ah, c'est la merde. Il n'y a rien là-dedans. C'est la merde, il n'y a personne. Ils sont rentrés? Vous voulez pas faire l'amour là? Pour faire des petits là? Y a plein de maisons. Faut arrêter de déconner. Oh, c'est pas possible. Bon bah j'ai des émeraudes mais j'ai aucun PNJ avec qui faire des échanges. Toi là-bas tu m'intéresses. Aou. Aou. PNJ, t'as intérêt à rentrer chez toi. Ça se trouve ils se sont tous fait contaminer par des zombies, c'est con. À savoir. Bon, en attendant, je récupère tout ça. Voilà. Bon, bah, des melons, ce sera pas pour tout de suite, hein. Pour l'instant, j'ai des citrouilles. Je vais pouvoir les faire pousser. Ha! D'accord. Eh, c'est pas moi qu'il faut viser. Bande d'enfoirés. Tapez-vous sur la gueule, là. C'était bien, là. Tiens, voilà, bouffe. Toi aussi, l'araignée. Viens pas m'embêter. C'est bien. Allez, va-t'en. Ok, ok. Bah, ma foi, c'est un petit peu la merde. Y a rien. Oh, là-bas, il y a du creeper. Hein. Tiens, vas-y, reste dehors. Je vais me coucher, moi. On va faire passer la nuit et on va créer un autre enclos pour mettre nos citrouilles. Hein. Alors, du bois. Ah. J'ai entendu du bruit quand même. Hein. Voyez les creepers là? Il y en a un qui vient. Hop, il a vu le chat, il se barre. C'est que ça marche bien, mine de rien. Hein. Alors, des barrières j'en ai. Ouais, je vais me faire. Si j'ai du bois. S'il y a du bois d'acajou, je vais le prendre. Oh, toutes les graines que j'ai récupérées. C'est abusé. Hop, ça j'en ai pas besoin. Donc on va prendre les graines de citrouille, les fèves de cacao. Le pain on en a pas besoin. Tiens, les émeraudes, je vais ranger ça là-dedans. La boule de slam aussi. Voilà. Et le bois, je disais, il me faut du bois de chêne. Que je vais transformer. Voilà. C'est bien.
Oh, tais-toi le chat, tu m'énerves. Portillon. Voilà. Je sais pas si 49 ce sera suffisant, alors par précaution, je vais me refaire quelques barrières. Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Oui, le chat. Ok, alors, les citrouilles, je vais les mettre plus par là. Oh, il y a un creeper. Faut que je pense aussi à faire mon espèce de mur de protection pour protéger ma maison. Est-ce qu'il y a la sorcière? Il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne. Bon, allez hop. On rase tout ça là. Voilà. Hop. Ok, ensuite les barrières. On va mettre des barrières comme ça. Enfin, tout le long, un peu pareil. On va essayer de faire un truc carré, un truc propre. Hop. Ouais, ça va être bien. On va rester comme ça. Hop, voilà, très bien. Par contre, j'ai pas pris ma houe. Il faut que j'aille chercher ma houe. Ma houe. J'ai dû la mettre là. Ouais, elle est là. Ok. Oui, le chat. Alors. Comment ça marche? Je vais les planter là. Ouais. Bon, évidemment, j'en ai trop fait. Hein. Voilà. Et ça va pousser, ça va se mettre là. Alors là, j'ai de la poudre d'os. Donc on va faire pousser ça à fond. Voilà. Donc là, je peux pas faire les plus. Je peux pas les. Oula. Je ne peux pas plus les faire pousser. Elles vont se déposer ici. Ensuite, moi, plus tard, ici, j'installerai les melons. Quand j'en aurai. Donc. Ici, ce sera les melons. Donc ici, il faut pas y toucher. Et là, je vais mettre le bois d'acajou. Je vais en mettre. Je pense que 2 ça suffira. Oh, je vais en mettre 2 comme ça. Voilà. Très bien. Je crois que c'est un peu rapproché. Hein. C'est un petit peu rapproché. Je vais pas les mettre comme ça finalement. Comment je vais m'y prendre? Comment je vais les mettre ces trucs là? Que je vous explique, le bois d'acajou va me servir à faire pousser des fèves de cacao. Oh, je vais mettre ça comme ça. Les fèves, je vais déjà les planter. Hop. Voilà. Et l'autre, l'autre, je vais le mettre comme ça. Ça ira bien. Bon, j'en ai pas suffisamment encore, mais bon. Et le portillon. Bon, ça fait pas très propre, hein, mais bon, c'est pas grave. Ici, on aura nos citrouilles, ici nos melons, ici nos fèves de cacao. Et je vais faire un autre enclos, d'ailleurs, à côté, qui me servira quand je reviendrai du Nether. Je pense qu'il y en a certains qui savent de quoi je parle. D'autres pas, alors ne dites rien. Je montrerai ça en temps voulu. Plutôt que de creuser, de perdre du temps, je vais plutôt aller chercher des sacs là-bas. Parce que j'en ai. Oui, le chat. C'est pas la peine de gueuler. Hein. Voilà, allez, de la terre, j'en ai. Hein. Le bois d'acajou, je range. Voilà. On va boucher les trous. Déjà ce trou-là qui m'énerve à chaque fois que je passe là. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, grossièrement, on va boucher ça comme ça. Ici. Hop là.
Ok. Et c'est surtout ici qu'il faut que je rebouche. Pour mettre les barrières. Bien joué. Bien joué. Eh, faut que tu te calmes. N'importe quoi. Voilà, on va rester là-dessus. Hein. On va enlever tout ça. Tu tapes pas avec ton arme, s'il te plaît. Tu l'abîmes comme ça. Et on va mettre les barrières tout de suite. Comme ça, ça c'est fait. Bon, j'aurais pas besoin d'un aussi grand enclos, mais bon. Tant qu'à faire, autant rester dans la symétrie des choses. Voilà. Je vais mettre mon portillon et on va se quitter. Voilà. Bon, et bien écoutez les amis. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures dans Minecraft. Cette fois-ci, promis, on va explorer le Nether. Mais avant d'explorer le Nether, ben oui, en off, j'irai dans le biome de jungle pour faire du minage optimisé. Parce que ça n'a rien donné dans le biome de plaine et dans le biome des marais. Donc je ne sais pas s'il y a des biomes préférentiels pour trouver du diamant. Je sais que les biomes de montagne, tu trouves plus facilement de l'émeraude. Enfin, c'est pas que tu trouves plus facilement, c'est qu'il n'y a que dans les biomes de montagne que tu peux trouver de l'émeraude. Mais pour le diamant, je ne sais pas. Alors, je vais faire du minage optimisé dans la jungle. Bien sûr, je vais créer un chemin que je vous montrerai plus tard, hein, n'est-ce pas? Mais d'ici là, de toute façon, j'aurai trouvé du diamant. Même s'il faut que je reste 3-4 heures, je m'en fous. Je trouverai du diamant. Je vous montrerai où je l'ai trouvé. Et ensuite, on ira dans le Nether. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao !